Et le départ est imminent. Départ validé pour cette cinquième épreuve, le Grand Cross du Pertre, avec cette épreuve comptant pour le championnat de France de cross country. Des concurrents âgés de 5 ans et plus sur la distance de 5000 mètres. On vient de franchir à l'instant même la première difficulté avec Barcarolle, l'As qui est venu se placer en tête devant le numéro 2, Vif Ardent, qui vient ensuite pour franchir le Bullfinch. Alors qu'ensuite, nous avons le numéro 7, Forza Conti, qui est en troisième position et qui est suivi par Clotaire, le numéro 5 qui vient ensuite en quatrième position. Peloton qui a tendance à évoluer en file indienne pour se diriger vers le tronc d'arbre. Alors qu'ensuite nous avons Sacha Grimm, le numéro 6 qui est également le long de la corde dans son dos. Nous avons chez Pedro qui porte le numéro 3 pour se diriger à présent vers le fossé. Et le numéro 4, Espoir de gagner, qui est en queue de peloton. Concurrents qui vont se diriger vers le fond de l'hippodrome. Peloton qui évolue toujours en file indienne. Et allez, on part en Mayenne. On va se diriger dans quelques instants vers le talus mayennais avec Barcarolle, l'As qui est toujours en tête et ceci depuis le départ. Devant Vif Ardent, le numéro 2 qui est deuxième. Ensuite, nous retrouvons Forza Conti, le numéro 7 qui est en troisième position pour se diriger vers l'Open Ditch. Devant également Clotaire, le numéro 5 qui est quatrième et qui est suivi par Sacha Green. Le numéro 6 qui vient ensuite devant le numéro 3 chez Pedro qui est également le long de la corde et qui se décale à présent à l'extérieur. Et ensuite nous avons espoir de gagner le numéro 4 qui est en queue de peloton. Allez, on revient en Bretagne. On va se diriger maintenant vers le talus breton. C'est toujours Barcarolle, l'As qui contrôle les opérations. Peloton qui a tendance maintenant à se regrouper. Alors qu'ensuite, nous retrouvons en deuxième position Vif Ardent, le numéro 2 pour franchir le fence. Devant également Forza Conti, le numéro 7 qui est en troisième position. Ensuite, nous avons Clotaire, le 5, devant chez Pedro, le numéro 3. Suivi par Sacha Green, le numéro 6, devant le numéro 4, espoir de gagner, qui est en queue de peloton pour franchir le Brook. On va se diriger maintenant vers le double contre-haut. On évolue à nouveau en file indienne sous le commandement de Barcarolle, l'As qui contrôle les opérations et ceci depuis le départ. Vif Ardent vient ensuite en deuxième position pour se diriger vers le fond de l'hippodrome. Forza Conti, le numéro 7, est en troisième position et également le long de la corde. Devant un peu plus loin, Clotaire, le numéro 5, qui est quatrième pour franchir le double contrebas à l'instant même. Alors qu'ensuite, nous retrouvons le numéro 3 chez Pedro qui est suivi également par le numéro 6, Sacha Green, qui vient ensuite. Et en queue de peloton, nous avons le numéro 4, espoir de gagner. On vient de franchir la rivière. On se dirige maintenant vers le tronc d'arbre. On évolue toujours en file indienne. C'est toujours Barcarolle, l'As qui contrôle les opérations pour se diriger maintenant eh bien, vers le tournant. On va franchir la banquette et le fossé. Ensuite, nous avons Vif Ardent, le numéro 2 qui est deuxième, suivi par Forza Conti, le numéro 7 qui vient ensuite en troisième position. Le numéro 3 chez Pedro et le long de la corde est suivi par Clotaire. Le numéro 5 qui est à son extérieur devant Sacha Green. Le numéro 6 et un peu plus loin, le numéro 4, espoir de gagner. Nous sommes en Mayenne, on va se diriger vers le talus mayennais et c'est toujours donc Barcarolle, l'As qui est en compagnie de James Révélet qui est seul en tête devant Vif Ardent et Thomas Borin qui est en deuxième position pour se diriger maintenant vers la rivière. Ensuite nous avons Forza Conti associé à Félix de Gilles qui est en troisième position et qui vient ensuite devant le numéro 3 chez Pedro avec également Clotaire, le numéro 5 qui est à son extérieur devant Sacha Grimm, le numéro 6 et le numéro 4, espoir de gagner. Le Volpoum, mesdames, messieurs, on peut les applaudir s'il vous plaît. Le Grand Cross du Pertre pour le Volpoum. Oh,
Eh bien, on s'est réceptionné difficilement avec Barcarolle Las, avec Vif Ardent le numéro 2. Tous deux sont ensemble devant le numéro 7 Forza Conti Akia est troisième. Ensuite, nous avons chez Pedro le numéro 3 qui est en quatrième position pour se diriger maintenant vers le double contre-haut devant Sacha Green le numéro 6 qui vient ensuite qui est suivi par Espoir de gagner le numéro 4. Les concurrents qui sont donc dans le fond de l'hippodrome. On va se diriger dans quelques secondes vers le double contrebas avec en tête l'As Barcarolle qui est à nouveau seul aux avant-postes, suivi par Vif Ardent, le numéro 2 qui est deuxième. Ensuite, nous avons Forza Conti pour se diriger maintenant vers la rivière qui est en compagnie également le long de la corde chez Pedro, le numéro 3 et qui est en quatrième position, suivi par Sacha Green, le numéro 6 qui vient ensuite pour se diriger vers le fence. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, allez-y. Allez, le fence avec Barcarolle, l'As qui est en tête devant Vif Ardent. Le numéro 2 qui est deuxième à l'extérieur chez Pedro, le numéro 3 qui est troisième devant Forza Conti, le numéro 4 qui est en quatrième position. Sacha Green vient ensuite en cinquième position pour franchir le Brook. Clotaire, le numéro 5 est un peu plus loin et le 4 vient d'être arrêté. Les concurrents qui vont se diriger vers eh bien, la ligne opposée avec toujours Barcarolle Las qui est seul aux avant-postes qui est suivi par chez Pedro le numéro 3 qui vient ensuite en deuxième position, vient de franchir eh bien, l'Openditch alors qu'ensuite nous retrouvons Vif Ardent le numéro 2 qui est troisième devant le 7 Forza Conti qui vient ensuite pour franchir le talus Mayennais et ensuite détaché. Nous avons Sacha Green avec également Clotaire, le numéro 5. Les concurrents qui vont se diriger maintenant vers le tournant et le contre-haut et contre-bas avec le numéro 3 chez Pedro qui est venu se placer en tête. On poursuit son effort avec Vif Ardent, le numéro 2 qui est à l'extérieur devant Barcarolle Las qui est troisième. On vient de sortir à l'instant même du tournant. Il leur reste à présent une haie à franchir avec chez Pedro qui va être attaqué à l'extérieur par le 2 Vif Ardent qui vient ensuite avec Barcarolle qui est coté comme nous sommes sur le plat avec à l'extérieur Vif Ardent le numéro 2 qui prend le meilleur devant chez Pedro qui est deuxième et là c'est Barcarolle, c'est le numéro 2 Vif Ardent qui remporte l'épreuve devant le numéro 3 chez Pedro qui terminera deuxième, l'As Barcarolle terminera troisième devant le